C'est quoi le jeu Nidog et Nidog? Bon, alors c'est totalement à la pisse. Il n'y a plus que la musique, on l'entend comme avant, mais pas fort. Par contre, pas de jeu. Les gens n'entendent pas le jeu. Mais comment font-ils pour ne pas entendre le jeu? Je ne sais pas, mais je vais vous mettre un jeu. Et ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Comme... Alors, ajouter... fenêtre... Ok, piou piou piou, voilà. Là, attends, on doit avoir la fenêtre, on va déjà faire ça, hein, si tu veux bien. Piou piou, donc la fenêtre est totalement présente. Ah merde, les proportions sont un peu chiantes. Ah! Ah! Les proportions sont un peu chiantes. Je vais voir comment on va faire ça au niveau du... Au niveau du bazar. Du bazar du grenier. Alors, est-ce que vous entendez Jonas, là? Parce qu'en fait, le jeu est vachement fort. Je crois que j'ai baissé un peu le jeu. Parce que franchement, il est un peu relou de ce côté-là. J'ai envie de dire merci les jeux qui ne permettent de régler que... de 1 à 10. Hein. Bon, est-ce que vous entendez Jonas? Allô, allô, check, check. 1, 2, 1, 2. Ah bon, si, je peux monter le son de Jonas, mais je comprends pas, c'est que je t'entends pas moins fort que tout à l'heure, et tout à l'heure il se plaignait pas. C'est peut-être toi qui t'es éloigné du truc. Non, c'est un casque. Hein. Bah, j'en sais rien. Bah, le casque, c'est très sensible à comment tu le mets par rapport à ta bouche. Bah oui, bah, j'ai pas bougé. Ouais, ouais. Bon, alors, ceci étant, donc, la cam, elle est où? La cam, vous aimez la cam. Piou, piou. Merde, où est-ce qu'il est, Nidog? Nidog. Piou, piou. Piou, piou, piou. Voilà, Nidog le font. Alors, c'est quand même assez chiant, le côté, ah ah ah, j'ai des proportions totalement indées. Donc, je m'en excuse. Mets le micro dans ta bouche, Jonas. Mais oui, totalement. Mais tu m'avais dit de le mettre ailleurs. Ah, bah oui, mais là, si tu n'as pas mangé de haricots, ça ne sert à rien. Fellationne le micro. Bon, là, de toute façon, je t'ai mis à 200%, je peux pas faire mieux. Okay. Okay. Mais je disais, ouais, God Hand, c'est sa difficulté qui est variable en fonction de son système de scoring, qui rend le truc génial. Parce que difficulté variable, donc... Oui, mais difficulté variable, oui, mais en fait, c'est plus... Merde. Attends, qu'est-ce qui se passe? Une pause game, pardon. Difficulté variable, oui, mais en fait, je suis orange, hein, si vous vous posez la oui, question, oui. Voilà. Orange Rover. Tu ne m'attraperas jamais, tu ne peux pas me vaincre, jeune Jedi. Ah, putain. qu'est-ce qu'on disait? Oui, Merde. Mais oui, je veux dire, les beaux de base, mon cher. Oui, comme d'habitude, hein, le mind game tellement puissant que l'ennemi se suicide. C'est moi tout craché. Même vous savez. Voilà, merci, empale-toi. Empale-toi. Voilà. Hop, je ne t'achève même pas parce que tu ne mérites même pas ma lame. Ah. Oh. ouais, non, God Hand, tu peux pas dire que le jeu il est rigide, il a une caméra foireuse. Deux secondes, hein, je mets juste le... Parce que si j'avais un modo qui faisait le taf, ça se serait vu. Ouais,
Ok, tac. Bon, alors, qu'est-ce qu'on disait? Oui, non, mais God Hand, le truc, c'est que en fait, la difficulté dépend du score, etc. Mais ça pourrait être un truc indépendant. C'est-à-dire que, oui, la difficulté pourrait dépendre d'à quel point t'es bon. Tu vois, et oui, mais la liaison avec le score n'est pas obligatoire, si tu veux. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que le score est lié au fait que tu te fasses toucher ou pas par des mecs donc, et que tu fasses du dégât. Donc, Bah oui, mais ça dépend de est-ce que t'es bon ou pas. Et c'est de ça dont ça doit dépendre. Après, qu'il y ait du score dessus, on s'en balèque. oui, mais c'est le cas. Merde! Tu ne peux pas me vaincre, jeune Jedi. Ah, merde. J'ai pas récupéré l'épée. Non, mais tu vois. Ah, bah écoute, je sais pas comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. Non, mais tu vois, God Hand, c'est juste que le jeu devient plus difficile parce que t'es bon, mais c'est ça, c'est la satisfaction de réussir un truc difficile qui est plus importante, à mon avis, que celle de faire un gros score. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en l'occurrence, c'est difficile de faire un gros score, donc Oui, mais le truc, c'est que le score n'a aucune vraie influence sur le jeu. C'est le fait que tu sois bon qui a une influence. Ah putain, merde, j'ai pas réussi à la lancer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? ben non, parce que pour moi, les deux sont quand même intimement liés, tu vois. Bah, il y a un truc qui est certain, c'est que les mecs, ils peuvent se. En fait, si tu veux, le score peut être juste un facteur de. Un Putain, fact. mais tu le tues alors que c'est moi qui te mets au sol, quoi. Mais c'était mauvais, c'était mauvais, j'y peux rien, moi. Voilà, ça c'est fait. Voilà, c'est fait. Voilà, ça c'est fait aussi. Le truc, c'est que si tu veux, à mon avis, les mecs ont établi un espèce de facteur pour savoir à quel point t'es bon. Et ensuite, ils se sont dit, bah, tiens, on va en faire le score, mais. Oui, c'est comme ça que tu fais le score. Ben non, non. C'est le score souvent est pas aussi travaillé que ça. Parce qu'il est mal fait. Et il est Voilà, mal note en fait, il est Scotsman, hein, mon gars. inintéressant. Non, mais il est mal fait, il est inintéressant, et donc justement, c'est pour ça que moi je m'y intéresse pas, en général. Alors, de là à dire qu'il y a des scores magiques qui voilà qui changent tout le game, je te dirais. Ah putain. Je te dirais, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Ah putain, pas pu la lancer. Ben j'en ai quelques-uns, quelques exemples comme ça. Hein. Radiant Silvergun, c'est la même chose, tu vois. Radiant Silvergun, c'est foufou, hein. Ouais, mais tu vois, j'ai jamais joué et voilà, le côté. Si tu me disais, ah mais Radiant Silvergun, le jeu devient plus dur au fur et à mesure que tu scores tout ça, je Non, dirais. Radiant Silvergun, en fait, le jeu, tu peux pas le finir si tu scores pas. Enfin, tu peux le finir, en fait, mais tu peux pas tuer les boss, en fait, tu peux juste survivre, en fait. Oui. Si tu veux, en fait, ton score te sert aussi d'XP. Et plus tu fais du score, et plus tes armes deviennent puissantes. Et les derniers ennemis du jeu, en fait, si tu ne fais pas de scoring, tu n'as pas assez de dégâts pour les tuer. Oui, mais là, je te dirais que c'est la difficulté du jeu aussi qui, c'est encore la difficulté du jeu qui devient plus grande. Si tu scores, enfin, tu vois, en fonction de ton score, la difficulté devient plus grande, sauf que là, le jeu Non, devient non, non. plus facile au fur et à mesure que tu scores, en fait. Non, parce que, enfin, Ben, si, s'il est bref. impossible, il est plus difficile que s'il est possible. En fait, si, parce que tu peux. Tous les boss ont un système d'autodestruction, en fait. Si tu survis assez longtemps. Même dans ce cas-là, enfin, le jeu est possible, mais il est plus dur, alors. Oui, mais le truc, en fait, c'est que scorer dans Radiant Silvergun, c'est chaud parce qu'il faut pas tuer tous les ennemis. Il faut tuer les ennemis que d'une couleur ou quoi, tu sais. Donc, c'est. En fait, du coup. Oui, non, mais la question c'est est-ce que le jeu te récompense de jouer comme ça a été prévu? Oui. Bah, Bon, parce qu'un bon scoring, quoi. est-ce qu'il devient plus facile au fur et à mesure que tu scores? Oui. Donc tu vois, ça rend pas le truc. Oui, mais en fait, pas vraiment parce que c'est plus difficile de scorer, donc
Du coup, c'est choisis ta difficulté. Est-ce que tu veux des ennemis? T'es en train de me... Oh putain, Voilà, mais. hein, voilà. Ah là là. T'es Je suis en train de te quoi? quand même en train de te foutre un peu de la gueule du monde hein, dans ton affaire. Parce que tu dis oui, non mais tu comprends, oui mais pas vraiment, tout ça, hein. Non, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Ne mélangeons pas tout. Putain, mais comment ça se fait que j'arrive pas à te tuer? Tu me tues tout le temps, corps à corps. Bah parce que là c'est moi qui héberge. L'exé, quoi. Mais non, déjà, c'était le cas hier, hein. Faut qu'on m'explique, hein. Bah quoi, hier je te tuais pas tout le temps au corps à corps, arrête de rêver. Non, non, je crois que J'ai vraiment du mal à t'achever au sol, quoi. Oh putain, Oh! je sais pas comment t'as fait sauter mon épée. Ah putain, je sais pas comment t'as fait sauter mon épée par magie De la en magie. me tournant de l'eau, hein, mais là tu vois le scoring, je suis pas content. Voilà, monsieur la Pas défense, hein. hier. Voilà. Ah putain. Oh putain, mais genre, oh là là, la réapparition. Bon. Bien joué. Bien joué, bien joué. Non mais je suis surpassé par le. Je suis dépassé par le. L'étendue de ta mauvaise foi. Ah. Non, non, mais le truc c'est que le système de scoring. Merde. Voilà. Le main game, vous-même, vous savez, hein. Le main game surpuissant. La surpuissance du main game d'un homme. Non, mais le truc, c'est que. Voilà, le suicide, toujours. Ah putain, bien. Putain. Ah! Salaud! Non mais voilà, t'as complètement abandonné ta conversation. Non, 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 Tu je vais non, pas non, abandonner t'as la con. complètement. Voilà, tu me dis oui, les jeux où le score rend le jeu plus difficile, c'est bien. Ensuite, tu me dis non, mais en fait, c'est plutôt ceux où il rend le jeu plus facile qui sont bien. Et puis Non, j'ai finalement. pas dit que ça rend le jeu plus difficile ou plus facile. J'ai dit les jeux où le gameplay est enrichi par un bon système de scoring, tu vois, c'est tout. Mais C'est Define ça. enrichi. Mais plus profond, tu vois. Plus Plus riche. profond comme la carotte dans ton fion. Voilà. Voilà. Tu essaies de t'en sortir avec l'humour quand tu n'as plus d'argument logique. Mais non, moi j'ai un argument totalement logique. Je sais pas comment. J'arrive pas à faire le volontairement la. Le cartwheel, la roue. La Ouais, moi non roue, la plus. roue. Ah putain. Ah Voilà, putain! Le main voilà, game de la voilà. roulette qui saute, hein. Totalement. Ah putain, bien vu. Si c'est pas un titre de vidéo, je ne sais pas ce que c'est. On étudiera la question. Mais tu vois. C'est une tentative d'humour en fait, en gras. Ah putain. En fait, je pensais à l'épée dans ton fion, mais tu vois, Comment parce tu que fais la roue? orange. Hein? Je sais pas comment faire la roue. Non, le truc c'est que ton argument de ah le gameplay est enrichi, moi je dis juste non, c'est juste que le gameplay est plus dirigiste. Parce que bon, tu ne veux pas admettre ce que je te dis à propos du fait que le score te fait Oui, bien sûr. Mais non, mais c'est une évidence. le score te fait jouer comme le gars l'a prévu. Bah oui, mais. Mais c'est une bonne chose. Bah, est-ce que ça devrait pas être plus naturel que ça? Faut demander à Yamato, oh, les blagues du jeu de baston. Ah. Ah putain. Voilà, le petit pic dans ton cul, dans ton fion, tout ça, tout ça. Non, mais.
Pour moi, le scoring est une mécanique artificielle de mecs qui n'ont pas réussi à faire le gameplay naturel comme ils le voulaient. Et du coup, ils se disent, tiens, bah, on va encourager les gens à jouer comme on a décidé. Parce que sinon, ils vont jouer autrement, ils vont maroufler le jeu et c'est pas ça qu'on veut. Et Ouais, je comprends. ça va pas faire les 10 000 heures de jeu qui sont prévues. Et Mais du si coup, c'est ils moins vont. fun en marouflant le jeu? Bah écoute, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, les gens trouveront le jeu moins fun, mais ils diront que c'est la faute du jeu. Ah putain, bien joué. Genre typiquement Kono The Beach, tu vois, sans le scoring, il est pauvre. Ben oui. C'est mon argument. Avec le scoring, il est super cool. Non. Calme-toi, calme-toi. Ah, si. Non, je trouve que si tu veux, justement, le gameplay n'est naturellement pas assez bon pour donner envie de faire du scoring, même s'il n'y a pas de scoring, tu vois. Si. Oui, mais quand il y en a, les nuances de réactivité et tout ça, c'est assez fun, quoi. Non, mais l'idée est intéressante. L'idée est intéressante, simplement. Simplement, est-ce que ça justifie le score ou pas? Pour moi, ça justifie. Tu vois, God Hand, je comprends que ce soit plus difficile quand t'es bon. Je trouve ça limite normal, en fait. C'est que, tu vois, le jeu, il a envie de te faire dépasser un peu tes limites, quoi. Mais, mais bordel! Allez. Oh Voilà. merde! Ça, c'est fait. La maroufle est présente. Hein. Le maroufling transcendantal. Le Sonic Boomlan. Les vrais savent. Tu vois, moi j'ai totalement compris le système de scoring du jeu. Hein. Et je trouve que ça y enrichit vaguement le gameplay. Oui, Dark Souls pour marouflage. Mais tu vois, Liquidrum, je trouve que Dark Souls te pousse au marouflage parce que de base les combats sont chiants en fait. Moi je trouve cool, mais bon après. Non mais j'y ai pas joué donc évidemment les legit tout ça mais si tu veux j'estime que les IA qui sont pas soumises aux mêmes contraintes que toi ça ne peut pas être un bon truc. Voilà, excuse-moi, je suis à toi. C'est possible, Liquidrum. Mais ce que je sais, c'est que en fait, ce que Benzaï appelle un marouflard, en fait, techniquement, ça s'appelle un maroufle. Parce que voilà, moi Alors, j'ai regardé l'édico. deux, trois trucs à faire, je reviens, Takuan. Ah voilà, J'ai eu une abeille à faire dégager de chez moi, en fait. la fuite du versus. Ah, j'ai eu une abeille chez moi, ça me stresse. Je C'est reviens. l'abeille chumoule. Ah mais on veut la cam. Le public réclame le combat magnifique contre l'abeille, je suis sûr. Oui, Liquidrum, c'est possible que ce soit ça. Ouais. Donc peut-être un rapport avec raser les murs, etc. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Aller voir sur Lexico. Merde, comment c'est? Ah, un truc. Non, pas Lexington. Enfin bref, il y a un truc très bien pour aller voir les définitions, le trésor de la langue française, tout ça, tout ça. Mais non, pas Urban Dictionary. Ah là là. Ah mais c'est fou ça. J'utilise quasiment tous les jours en plus. Lexilogos, je crois que c'est Lexilogos. Et si Lexilogos, c'est le bien. Et justement, c'est là que j'ai appris que apparemment c'est un maroufle et non pas un marouflard ou je sais pas quoi. Ou alors c'est peut-être encore plus péjoratif, mais en fait il n'y avait pas marouflard dedans. Donc voilà. Ils l'ont peut-être rajouté depuis, hein, sous l'impulsion de Benzaï, je n'en sais rien. Mais je pressens que la lutte de Jonas contre l'abeille est totalement goldée. Ah oui, Lexilogos, c'est cool. Bah oui, Congo-lexicomatisation. Oh, mais non, mais non. Non, mais non, je veux dire, voilà.
C'est comme ça, la congo-lexicomatisation. Alors, tu vois, en gras, tu trouves ça pendant le boss fight des Soulsborne. Excuse-moi, tu veux qu'on se parle en vidéo? Re-Jonas, ben non, non, j'occupais les Ah, gens, hein, ben, tu désolé, vois. je m'en excuse, hein. Parce que voilà, hein, les gens, ils laissent rentrer des abeilles étrangères n'importe comment, hein, En fait, je qu'avis. sais pas par où aller passer parce que j'ai une moustiquaire sur toutes mes fenêtres, tu vois. Ben, par la porte. Ouais, mais la porte elle est fermée chez moi. Ben, il y a bien un moment où elle est ouverte. Et tu connais l'adage, hein, l'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule. L'abeille coule totalement. Ah putain! Voilà, ça c'est fait. On ne me maroufle pas comme ça, monsieur. Hein? Ah putain, merde. Ah putain. Oh putain, le truc t'est passé au travers. Timing. Oui, timing, effectivement. Oui, mais en fait, ce que j'aime pas dans les Souls, c'est que je trouve que les boss sont craqués parce que hashtag endurance infinie, hashtag allonge nimpesque, hashtag hitbox cramé. Voilà, moi je trouve pas ça propre de la part d'un jeu. Je préfère que l'IA soit tellement à la frame que bon bah voilà, elle répond à tes trucs à la seconde, plutôt que de se dire ah bah tiens, il va falloir que je la maroufle pour que ça passe, quoi. Tu vois, je trouve ça assez moche qu'un jeu te force à ne pas jouer au jeu si tu veux gagner au jeu. Bah non, tu peux jouer au jeu, mais c'est dur, c'est tout. Mais après, tu peux maroufler si t'as envie. Non, mais il y a c'est dur et il y a faut avoir la tactique craquée. Bah, tu peux jouer propre et gagner à Dark Souls, hein. C'est chaud, mais tu peux. Oui, tu peux jouer propre et gagner si t'as une armure craquée, du matos Non, craqué, tout non, 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 ça. si t'as du... Ah, c'est pas vrai, il y a plein de mecs qui le run avec zéro arme et zéro à poil et comme ça, et niveau 1 et... Oui, il y a plein de mecs qui le run, oui. Non, mais c'est comme si tu me disais, il y a plein de mecs qui sont champions du monde aussi. Il y en a quelques-uns, il y en a bien une vingtaine, tu vois. Il y en a bien une vingtaine sur combien de joueurs, rappelle-moi? Non mais oui, mais c'est qui coûte? Qui coûte, c'est tout, tu sais. C'est faisable, c'est Non, ça que mais je veux dire. le truc que ce soit faisable, oui, mais est-ce que le jeu t'y incite? Non. Le jeu ne t'incite pas à y jouer. Et ça je trouve que c'est le signe d'un mauvais jeu. S'il te dit non, mais en fait, je suis un jeu nul, faut que tu triches. Tu vois? C'est la tactique des gendarmes, oui. C'est assez jouissif hein, de maroufler dans... Alors, Colonel Andra dit que Dark Souls 2, il le trouve mauvais niveau IA, boss fight, etc. Oui, ben dans ce cas-là, qu'est-ce qui reste? Non, le bon jeu, il doit t'inciter à bien jouer au jeu. Déjà, il doit t'inciter à jouer au jeu, il doit t'inciter à y jouer bien. Ensuite, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ah, oh, c'était joli ça, le reversal, enfin le retournage en Bien l'air. inversé. J'avoue, ah ouais, j'avoue, j'ai jamais eu l'occasion de le placer. Par contre, placer ma grosse épée dans ton petit fion, ça. T'as vu, y a une nouvelle strate, hein, les gens. Ouais, non mais au fur et à mesure qu'on avance, les mind games deviennent de plus en plus fous dans ce jeu, hein. Ça m'a fait la même avec Angra hier. On a découvert des mécaniques de jeu en jouant. À C'était Skullgirls. ouais, c'était très cool. Ouais, mais tu vois, Skullgirls, il y a un mode entraînement et tout. Alors que bon, ici, il n'y en a pas. Tu vois, en gras, je serais pas si dur avec Dark Souls s'il y avait pas une hype que je trouve vraiment merdique et useless dessus, en fait. Bon, tu me diras, la hype est jamais useless parce que ça permet de vendre des jeux, mais. Mais la hype de Dark Souls est ridicule parce que tous les mecs ils se branlent en mode oh, le jeu il est trop dur. Non, il est pas dur Dark Souls. Ben, je pense que déjà, si t'y joues pas, il est beaucoup moins dur.
Comment ça, si tu joues pas, il est moins dur? Bah, ce que je te disais, le jeu qui t'incite à ne pas y jouer. Voilà. Mais moi j'y ai joué parfois legit, parfois j'ai marouflé, c'était très fun aussi, tu vois. Et tant que tu t'amuses, c'est l'essentiel, tu vois. Oui, mais si t'as préféré maroufler, c'était que tu estimais que le jeu était trop dur et que tu préférais prendre une autre tactique plutôt que d'y En fait, jouer. le truc, c'est que quand tu maroufles, tu te sens intelligent. En même temps, si t'as besoin d'un jeu pour te sentir intelligent. Ah putain, bien joué. Je kiffe ce nouveau ce cross-up en fait, hein. Ouais, C'est j'avoue. totalement un cross-up en fait, hein. Tu vois, y a pas besoin de bouton de garde. Ouais, techniquement, il y a une garde, donc de toute façon, on s'en fout. Techniquement, il y en a 4, hein, mais bon. Non, il n'y en a pas quatre. Bah. La garde qui n'est pas une garde n'est pas une garde, hein, Attends, bizarrement. regarde. Première garde, 1, 2, Non, 3, non, non, non. Re 4, reprends la première, 5. s'il te plaît. Celle-là? Reprends la première, tu vois. On va voir si c'est une garde. Ah bah non. Ah bah finalement, t'es pas trop chaud pour tester si c'est une garde ou pas. Mais si, parce que Hein. ça esquive certains coups. Non, 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 c'est pas une garde. C'est pas une garde parce qu'il n'y a pas de garde, ça te protège pas. Ça esquive, Ça c'est esquive, voilà. C'est une esquive, mais c'est pas une garde. Ah merde! Mais tu croyais quoi? Ah Toi, tu putain. croyais Ouais, quoi? ben, moi je croyais que t'allais apparaître un peu plus lentement. Non, mais le truc c'est que une IA de toute façon elle peut toujours être tellement pétée que tu peux rien faire contre elle. Et je trouve qu'en fait, quand tu mets des IA qui n'obéissent pas aux mêmes règles que toi, ça devient très très vite ce travers-là. Bon allez, c'est ma dernière, après je vais me faire un truc à bouffer, un dessert, tout ça. Ah bah écoute, à plus Liquid Rome, bonne pangolinisation. Bon, et tu vois, en gras, ce que tu dis sur oui, le jeu peut m'inciter ou pas, enfin, tu peux choisir effectivement ta sauce, je reconnais, mais je te dirais qu'un bon jeu, il t'incite de toute façon à s'intéresser à son histoire, que tu le veuilles ou non. Et je pense que Dark Souls a un petit peu un problème de ce côté-là, justement. Parce que c'est tellement optionnel que voilà. Mais Est-ce que Dark tu vas Souls, c'est l'un des t'y rares jeux où je me intéresser? suis intéressé à l'histoire, tu vois. Ah voilà, le mind game de la surpuissance du suicide. C'est un des rares jeux où, pour lequel le scénario m'a saucé, tu vois. Bah écoute, j'ai envie de dire pourquoi pas. Non mais si tu veux, Dark Souls, je peux comprendre qu'on s'intéresse au scénar. Il n'y a pas de problème. Mais Ah putain, je voulais te désarmer, ça ne marche pas. Voilà. Apparemment, ce mind game-là, tu l'as pas capté. Hein. Lequel? Ah bah je vais pas te Parce qu'apparemment, il y a un mind game qui t'échappe, et j'avoue. Ah bah. Le mind game de rester en vie. Ah là là, la remontada, la remontada! Ah merde! La remontada, la remontada! Ah putain, merde! Ah putain, le saut! Ah voilà, le suicide. Bon, Liquid Rome hurle qu'il est d'accord avec moi avant de fermer la porte et de partir, voilà. Ah, le mind game du suicide, t'es si pressé que ça, Ouais, y a une nouvelle je suis tout abeille. prêt à aller faire à bouffer, ouais. Voilà, le mec, il peut pas endurer 30 secondes d'avoir envie de bouffer. Ah putain. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu flippes, hein? C'est parce que t'as pas la conscience nette que tu flippes? Défiant. Voilà. Le mind game que le gars n'a pas capté, il ne l'a toujours pas capté. Et ça, c'est une bonne chose.
Merde. Bien vu. Oh merde! La remontada. Ah merde, putain, je suis mort avec le relèvement. Ça c'est un peu vicelard, j'avoue. Merde! Mais oui, on sait que t'as faim. T'as trop faim, t'as plan, t'as faim. Ah merde! Ah putain. Bien vu. Ah merde. Ah putain, j'ai pas eu le temps. Ah C'est là là, je rapide m'en hein, vais. quand même. GG. Ouais, C'était ouais, ouais, quoi en fait le ouais, truc alors, le mind game que j'ai pas vu? Ah bah oui, écoute. Quand tu analyseras correctement les façons dont tu meurs, tu comprendras tout de suite où est le Mais problème. je m'empale à chaque fois, je sais pas. Bah oui, mais pourquoi est-ce que tu t'empales? J'avance trop? Est-ce que tu crois... Enfin, c'est un peu ça, mais c'est pas exactement ça. Si tu le Mais... dis pas, c'est pas drôle. Voilà, moi je balance mes bails et je balance mes strats. Bah non, non, mais toi, les strates que tu fais, je les vois, je les analyse et j'agis en conséquence. Bon, bah toi, tu peux faire pareil. C'est comme ça aussi que tu deviens bon. C'est en sachant analyser où sont tes défauts, où sont tes qualités. Ouais. En gras qui dit parce que vous attaquez deux fois au même endroit chacun, puis Taquan baisse son épée d'un coup et là tu meurs. Et c'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. En fait, le mind game dont je parle, c'est au moment où il arrive sur moi. Et Au moment où j'arrive sur toi. ouais, au moment où t'arrives sur moi, il se passe un truc qui t'échappe et tu t'empales et tu sais pas pourquoi et Bah c'est pas drôle si j'ai pas toutes les données du jeu, donc j'arrête de jouer. Ou, Voilà. oui, mais tu vois, c'est pas drôle si les gens ils font les devoirs à ta place et bah du coup tu deviendras jamais bon, voilà, tu deviendras jamais top 8 français. Mais je m'en fous, je reste toujours sur Overwatch. Je vais Ouais, faire mon ouais. gâteau et puis après je vais lancer mon stream. Donc ça te laisse bien une demi-heure, trois quarts d'heure pour faire. Bah oui, mais malheureusement la VOD n'est pas finie, mais c'est pas Bah tu peux grave. jouer contre l'ordi, tu peux jouer contre d'autres gens. C'est pas grave, oui, mais jouer contre l'ordi, ça m'intéresse pas, tu sais très bien. Je vais voir s'il y a des gens sur le live, on va voir ça. Bon, en tout cas, bon appétit, bonne cuisine. Et on n'a pas terminé. Du coup, ça fuit le versus hein, par rapport à la question online versus. Versus. Ça fuit le versus par rapport à la question du scoring et voilà. Pour moi, un bon jeu te pousse naturellement à faire ce que le scoring voudrait te faire d'une façon artificielle et il te pousse aussi Il te pousse aussi à t'intéresser à l'histoire, si, parce que l'histoire est intéressante ou parce que il y a des choses à faire par rapport à l'histoire ou etc. Mais voilà, je pense que si t'as pas le, si le jeu t'attire pas dans cette direction-là naturellement, bah c'est peut-être qu'il raconte que la narration est pas bien faite ou qu'elle est pas intéressante, qu'elle narre pas une histoire intéressante. Bon, si l'histoire est pas intéressante, bon, ça va être difficile de t'y intéresser. Bon, il y a des gens qui regardent pourtant Twilight, hein. Mais non, non, je suis pas. Je pense que tout devrait être naturel et qu'on ne devrait pas t'inciter avec un score à te dire, ah, je vais mesurer le kiki, je vais avoir le plus gros score et donc je vais jouer comme les mecs l'ont prévu. Parce que quelque part, c'est un échec que les mecs aient pas prévu la façon dont tu vas jouer soit pas conforme à ce que tu veux. Enfin, je pense que le game design doit te pousser. Bon, apparemment, il n'y a pas de gens en fait. Matchmaking. Que le matchmaking est présent. C'est une bonne question. On va voir si le jeu est jouable online. Mais voilà, si les gens ne sont pas prêts à jouer comme tu l'entends, ben, peut-être que ton jeu n'est pas bien fait. Enfin, je mets plus.
la responsabilité sur le game designer que sur le joueur. Merde. Que sur le joueur, en fait. Je pense que le joueur, bon, ben bah, voilà. Il joue, quoi. Il a envie de s'amuser. Et est-ce que les combats de Dark Souls, par exemple, sont amusants quand tu les fais legit? Et j'ai l'impression que non. Hein, j'ai l'impression que non. Alors, on me dira, mais oui, mais si c'est amusant, c'est pas dur. Je dirais que c'est faux. Mais il faut que ce soit amusant et faire. Et oui, le scoring est. Oui, Jonas, c'est exactement ce que je dis depuis une plombe. Non, il t'incite à jouer d'une certaine façon, oui, mais c'est il t'incite à jouer d'une façon que le gameplay ne t'incite pas à jouer. Est-ce que tu comprends ça? Ben, mon argument, c'est que le scoring va à l'encontre du gameplay. Le scoring, s'il est fait d'une certaine, s'il est fait de la façon dont toi tu l'envisages, le scoring t'incite à corriger le gameplay. Qui ne t'incite pas à jouer comme le scoring est une partie du gameplay. Oui, évidemment, mais là je te dis que le scoring corrige tout ce qui n'est pas scoring en fait, le reste du gameplay. Parce que tu vois, le gameplay, c'est pas que le scoring non plus. Et voilà, mais voilà, ça fuit le versus et maintenant ça y est, ça veut revenir dans l'arène, tout ça, tout ça. Bon, alors apparemment, il n'y a absolument personne online. Ça dépend des genres. Non, il n'y a aucun genre où tout le jeu c'est le scoring. Arrête de dire de la merde, Jonas. Le gameplay, c'est pas juste le scoring, nulle part, ever. Ou alors, en fait, non, non, non. Le puzzle game et le shmup, le principal truc du gameplay, c'est le game, c'est le shmup. C'est pas le scoring. Le scoring, il vient après. Franchement, voilà. Voilà. Hein, hashtag la mauvaise foi. Hein. Bon, ça ne trouve personne online. Je crois que je vais changer de jeu. Je vais changer de jeu et je vais faire du. Qu'est-ce que je vais faire du? Je ne sais plus. Ah, je vais faire du World of Warships. C'est un peu de World of Tanks parce que voilà. Cupid. Oui, tu y joues principalement pour faire du perfect en hard, mais est-ce que ce qui compte c'est le perfect ou est-ce que c'est le jeu qui t'incite à être parfait? Est-ce que c'est pas la mécanique de gameplay qui te donne envie de jouer, de faire ce que tu fais, ce que tu peux faire de mieux? Est-ce que c'est pas le jeu qui te pousse à te transcender ou est-ce que c'est le scoring? Bon, il y a la satisfaction d'avoir achevé un truc difficile, évidemment. Mais est-ce que cette satisfaction a nécessairement besoin d'être transcrite avec des chiffres? Hein, voilà. Et à mon avis, si tu as besoin de la transcription des chiffres, c'est que le jeu est un peu secondaire. Enfin, le jeu passe au second plan, quoi, pour moi. Mais bon. C'est la mécanique, mais. Les chiffres, c'est un feedback gratifiant. Mais je te dirais, Jonas, qu'être bon, c'est un feedback gratifiant. Être bon dans un bon jeu, être bon est un feedback gratifiant suffisant pour pas avoir besoin de chercher autre chose. Un jeu doit inciter le joueur avec des récompenses. Oui, mais dans ce cas-là, ça peut être des récompenses qui n'ont rien à voir avec le score. Les chiffres, ça quantifie. Bah oui, mais la question, c'est est-ce que c'est une question de chiffres, tu vois? Est-ce que c'est une question de chiffres? Et même dans beaucoup de cas, est-ce que ça veut vraiment dire être bon, les chiffres? Tu vois, il y a des jeux où le scoring ne veut absolument rien dire. Il y a des jeux où, par exemple, alors, excusez-moi de l'exemple, hein, mais dans le truc des zombies nazis de Call of Duty, alors je sais bien, hein, excusez-moi, les exemples sont là. Mais dans le truc des zombies nazis de Call of Duty, tu marques plus de scores en mettant 10 balles dans un zombie pour le tuer qu'en lui mettant un headshot avec une balle. Et donc le scoring ne veut plus rien dire. Et du coup, ça ne quantifie plus le être bon. Voilà, Cupid qui joue encore à Bloodborne et aux Souls avec des runs level 1, parce que c'est gratifiant. Pas à cause du score, tu vois. On va faire des jeux basés sur la finance, on va voir si les chiffres ça se quantifie pas.
Ben Jonas, tout à fait, mais ça reste que tant que ce seront des jeux, le scoring ne sera pas le principe même, tu vois. Créons de la dette. Oui, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Bon, on va couper la VOD. Je vais vous laisser aller manger. Et si vous êtes sur YouTube, on se retrouve demain 10h. Si vous êtes sur Twitch, je continue parce que voilà, moi je m'en fous. Je n'ai pas faim et je vais faire du World of Warships parce que glou glou glou, à tout de suite.